on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Let's Play de Yooka-Laylee sur PC. Donc pourquoi se retrouve-t-on là plutôt qu'à l'extérieur vers la ruche? Tout simplement parce que j'ai réussi à tout récupérer et il ne manque plus que les trois dernières plumes. Et c'est simple en fait, il faut juste donner un coup de queue devant les portes et on a les trois derniers. J'avais cherché pendant des heures et des heures, puis j'ai finalement trouvé. Voilà, et comme ça on a toutes les pages. On va aller rendre visite à notre cher ami. Puis ensuite on va aller à la fin du jeu. Enfin. Désolé, j'ai un peu mal à la tête, je risque de ne pas parler beaucoup très fort aujourd'hui. Ce jeu m'aura pris quand même 15 heures, un peu cher comme 40 euros. Après voilà. Surtout pour un jeu Kickstarter quoi, 40 euros. Fais mal au portefeuille, hein. Alors, donc c'est le pantalon. C'est quoi l'utilité? C'est juste que j'ai un pantalon, c'est ça? Bon bah d'accord, hein. Et on pourra y aller comme ça. Alors moi j'en aurais pu m'embêter à tout récupérer vu que j'ai tout actuellement. Voilà, vous pouvez voir. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une plume très 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 bien cachée dans le monde 1. Encore mieux cachée que celle-ci. Et il y a une pièce aussi... un jeton dans le monde 4 qui est bien caché également. Désolé, j'ai un peu baillé. Je sais pas si vous m'avez entendu. Et donc, bah, la tour d'ivoire. Ivory Tower. Allons-y. Ah, flûte. Alors... C'était 20. Simplement j'ai tout. Donc... Voilà, à peu près. Ah non, je triche pas. Ah
6. Le maximum qu'on peut. Pagy ? Ils sont et pas vont, oh là là. Docteur, pause. Mais non. Ok. J'aime trop le monstre, l'ennemi de mon boucher méchant et les gouttelettes, c'est mignon. C'est parti. Okay.
Alors. Allez. Je crois avoir trouvé ce qu'il faut faire. J'essaie de me concentrer pour un peu comprendre. Hein. Voilà. Notre nombre de touches. Allez. Je crois que c'est ça qu'il faut faire. Qu'est-ce que je fais moi? D'accord, pour le moment c'est pas dur le combat. Je me suis fait prendre toutes mes cœurs. Je me suis fait prendre tous mes cœurs, pardon. Yeah.
D'accord. Bon, ça va pas être facile, hein. Ah si, mais ça va pas être trop difficile, ça que je voulais dire. Allez. Ouch. Allez. Il m'a fait mal. Facile, hein. C'est de trouver la manière la plus optique de faire des dégâts, mais voilà, ça c'est fait. Troisième phase. Je me concentre, hein. Désolé si je parle pas beaucoup. Thank you.
Oups. Bam. Bam. Et bam. Une vie, 4 vies encore. Ok. Bon. Bon, ça aussi simple. Ah, de courir. J'ai le temps de me faire toucher plus qu'une fois. Oh là là. Ah, c'est mort. Bon, on recommence, je fais une petite élu jusqu'à retourner là-bas, je reviens. Voilà, j'étais juste à la fin du combat la dernière fois, donc voilà. C'est fait au moins.
I
Donc voilà, c'est la fin du jeu. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas de fin secrète. Bah, tant pis, hein. Tant pis. On va l'ouvrir la partie, donc c'est la première partie. Et ça, c'est la deuxième. On va voir ce que ça donne. Pour les nouveaux défis, en tout cas. Juste aller voir les chiens. Puis on s'arrêtera là, donc c'est pour ce let's play. Par là-bas. Pour aller à l'entrée et voir Veni VTVC. Alors. Ok, je sais pas pourquoi ça... je sais pas à quoi ça sert. Ok. Je vois. Ok, il y a juste ça. Ah ouais, il reste 3 points de vie, chaud quand même. Donc voilà, c'est des petits bonus pour faire le jeu si jamais. Donc j'espère en tout cas que ce let's play vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime, et surtout vous abonner à la chaîne. C'était Tozdel pour Jadibane HD. Passez une bonne journée, une bonne soirée, vive les jeux vidéo.